Je m'attendais vraiment pas à ça. D'une séance avec Mister V, tu sais, je me disais, vas-y, c'est un youtubeur. C'est-à-dire, il doit pas prendre ça au sérieux. Ah ben, je me suis bien trompé parce qu'il se casse la tête. Dans son, ce gars est trop fort. Mais le jour où ça pète vraiment, c'est le jour d'un freestyle Skyrock à eux. Et on les envoie une vidéo en mode wesh, mais c'est quoi ce freestyle sur Skyrock? Il est incroyable et tout, tu vois. Et après, quand ils sont fait comme ça, on se voit dehors, et on se voit la première fois, on rigole et tout, bonne ambiance. Et après, on se pète au studio pour faire attaque. Et après, ça continue. Ils sont vraiment vrais. J'aime beaucoup les gens comme ça, tu vois. Tu vois, quand on se voit en dehors de ce studio, on parle même pas musique. C'est-à-dire qu'on a franchi une étape où c'est devenu des amis. Il y a des rappeurs aussi, c'est on dirait des amis d'enfance. Par exemple, j'ai un tic avec La Fève. Quand je vois La Fève, moi, on a un fou rire d'un coup. Et par exemple, je les vois au concert, j'ai même pas réussi à le checker. Je suis rentré dans la pièce. Alors, les parties en fou rire, gros. Il a dit arrête de faire ça. Parce qu'il continue à rigoler. Je dis arrête de rigoler. Plus je rigole, plus je vais continuer à rigoler. Tu vois, je kiffe les ambiances comme ça. Et bien avec Kilargo aussi, c'est pareil. Plus tu rigoles, plus vous êtes con. Plus vous êtes con, plus il va marcher. Comme à la guerre. Dans le studio, je suis comme à la guerre. Bimove pour essuyer une plaie. Bimove pour essuyer une plaie. J'aime beaucoup les rappeurs qui rappent vite et qui disent des trucs qui... où je peux arrêter. Ils me disent pourquoi il a dit ça? J'écoute La Famille, je dis oh, il rappe vite. C'est technique et j'aime bien aussi. Je partage La Fève. Il me dit, j'ai une séance studio, est-ce que tu veux venir ou pas? Donc je me suis dit, oh, ça me surprend. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas. On y va, il en fait une ambiance bien flash, bien rhum. On fait le son, on a terminé. On l'a écouté, on l'a archi rigolé parce qu'elles ont été archi d'art. La Fève m'a dit, Roshi, je vais t'affronter à FIFA. Erreur de sa part. La prochaine fois, La Fève choisit un jeu de basket. C'est mon dada à FIFA, quand je rappe pas, je joue à FIFA. Rendez-vous dans la rue qui fait l'angle. Je devrais devenir boucher, découpe fine en tranche. Pour moi, j'ai 5 rappeurs, c'est pas qu'ils me font peur, mais les avoir au studio, une seule erreur, ça peut mal se passer. Et il en fait partie. Quand je feat avec un Calvin, je me donne plus que n'importe quel son que j'ai fait. Dans la première partie du son, j'ai pas le même flow. Dans la deuxième partie, j'ai pas le même flow. Et après, Alpha One, je crée encore un autre flow. Tu vois, tu sais que le mec, il s'amuse de ouf. C'est le mec, il a pas compris qu'il fallait être technique. Lui, il s'en bat les couilles. Il veut créer des nouvelles saveurs, tu vois. J'ai archi aimé, tu vois. C'est vraiment un des feats où j'ai le plus de pression de ma vie. J'ai jamais eu une pression comme ça. On n'est pas fidèle comme des Yankees, des zippettes. Un petit, je vais pas tiquer, je vais te mettre des chiquettes. T'es un abro, t'es sur les mains et sur les tickets. Polak. Il m'envoie un message, choqué de ouf, parce que c'est tellement rare qu'un mec avec autant de trophées va baisser dans son estime pour venir parler avec moi qui avait quoi, 150 000 auditeurs. J'aime le PLK quand il rappe, mais j'aime encore plus le PLK quand il chante. Pendant qu'il rappe dans la cabine, moi j'étais un peu à côté, j'étais un peu sorti à un moment. Faire carré, je suis en train d'écrire encore. Je t'en veux. J'ai le PLK double phase. Ça veut dire qu'il a rappé après, il a chanté. Oh, j'étais archi content de ça. Mais je peux pas quand j'ai le car en vrai faut pas me parler. Je suis en premier dedans, je laisse. Personne me blesser. J'évite les coups bas, les maladresses. C'est mon Kanye West. Je compte le dire tout de suite, j'ai pas fini de faire des sons avec lui parce que il est trop fort. Peut-être que j'en vais pas comprendre parce qu'il voit comme un mec qui fait des vidéos YouTube, mais en son, ce gars est trop fort. Il est vraiment très spécial et je m'attendais vraiment pas à ça. D'une séance avec Mister V, tu sais, je me disais, vas-y, c'est un YouTuber. C'est-à-dire, il doit pas prendre ça au sérieux. Je me suis bien trompé parce qu'il se casse la tête. Ben, c'est lui qui guide. Même quand je suis derrière, il me dit, Roshi, tu peux lever la voix, s'il te plaît. Je suis sûr que tu peux encore plus. C'est comme s'il te poussait à chaque fois à ton meilleur niveau. Il nous fait des méga mélodies, papa, oh, ça on veut, ça, oh, ça aussi. Tu vis, tu meurs, je suis né, je te dis, la police nous connaît. Dinos. À la fin de Stamina, il me dit, tu pouvais jump de l'album Stamina. C'était un moment où je ne sais pas si on m'appréciait dans le rap. Tu sais, les gens, ils sont un peu parfois très brutales quand tu rappes avec un rappeur à eux. Par exemple, ouais, lui, il a niqué le son. Ouais, j'aime pas savoir parce que j'ai une voix assez particulière. Ma voix, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je vois ça, pour la plupart des featuring, je me dis, c'est mieux, j'abîme pas son son. Tu sais, Dino, c'est des grosses stats. C'est-à-dire, on va parler surtout encore plus. Il me parle de Stamina, je suis vraiment en mode, waouh, non, je vais pas assumer. Mais par contre, l'inviter sur le mien, je peux, tu vois. Parce que j'aurais moins de critiques. Genre, l'ambiance dans le studio était énorme. C'était archi chelou, mais c'était archi intense, je sais pas comment dire. Et après, là, Dino, c'est slay. Sur la grosse voix, tourne avec les basses et c'était parti. Je fais la basse, on vise le chef, l'armée et la basse. C'est la basse, faire jump la fosse sur la basse. La légende qui m'a fait flipper à m'envoyer un message et me dire eh, c'est le fin. Imagine, t'avais 11 ans, t'écoutais Section d'Assaut, t'as 25 ans, il y a un pote à toi qui dit le fin, il veut faire un son avec toi.
Ouais, ouais, salut Roshi, c'est le phare. J'arrive pas à parler, comment tu veux parler, gros? C'est... Je connais au moins 32 couplets à lui par cœur. Comment ça pouvait arriver? Genre, j'étais... Non, c'était choquant de ouf. J'arrive à sa séance studio. Déjà, je le vois sans lunettes, j'ai envie de tomber dans les pommes. Genre, le gars, il me voit, il me dit, bien ou quoi? Tu sais, au début, je l'ai pas reconnu. Parce qu'il faut faire attention. Le phare et Yonka, ils se ressemblent. Et Yonka, son producteur, c'est son beatmaker. Si Yonka, il met les lunettes, c'est le phare. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand je les voyais, j'étais en train de me dire, mais c'est lequel le phare? Le phare se lève et il vient de me checker. Je me dis, oh putain, c'est lui. Et ce feat, c'est comme si. Je l'ai fait avec des petits grands frères. Ça sentait qu'on n'avait pas le même âge. J'ai plus petit, mais je kiffe être dans ces délires-là. C'est pas que j'ai rien à prendre des gars de mon âge, tu vois, mais je préfère apprendre des plus grands. Genre mes potes me disent parfois, tu penses trop comme un daron. Tu sais, dans un groupe, je suis le mec chiant, c'est ça qu'on m'appelle un peu capitaine. Comme tout le monde fout le bordel, je suis un peu parfois le gars qui va dire, les gars, on se calme un peu. Hein. Et parfois, il y en a un qui dit, ah, t'es mal au bout de maintenant. Bouffon.